Vous m'entendez? Alors, Madame Arrigui, Sophie. Madame Bénichou, Brigitte. Je le note ou c'est vous qui le notez D'accord. Excusez-moi, c'est la première fois. Madame Bénichou, Brigitte, donc absente représentée par Marie Ferrero. Bruna Aurore, absente représentée par Sophie Arrigui. Karadec Laure Agnès, Charaf Emmanuel, absente représentée par Didier Réau, Dacruz Villela Maria, absente représentée par Bertrand Dehaut de Sigui, Dehaut de Sigui Bertrand, Bendayan Gabriel, absent représenté par Éléonore Bèze, qui a priori est en retard. Éléonore Bèze, donc en retard. Marc Capuano, absent représenté par Sylvain Di Giovanni. Chantelot Catherine, absente représentée par Anne-Marie Destiendorf. Destiendorf Anne-Marie. Guil Darmon. Di Giovanni Sylvain. Dubreuil Richard, absent représenté par Domenica Lavarez. Fercha Claude, absent représenté par Daniel Moine. Findikian Richard. Gaël Frédéric. Herman Sylvie. Lavarez Domenica. Mabrouk Sofia. Morel Sandrine, absente représentée par Catherine Télandier. Moine Daniel. Fédi Nathalie, Ferrero Marie, Guillaume Caroline, Guérard Sophie, Guillaume, excusez-moi, Hoffmann Gilbert, absent représenté par Frédéric Gell, Le Pape Florian, c'est moi-même, Martineau Marie, Manchon Hervé, Morand Nathalie, absente représentée par Hervé Manchon, Papalardo Patrick, absent représenté par Nathalie Fédi, Robin Pierre, Royer Perrault Lionel, Semeriva Pierre, absent représenté par Sophie Guérard, Sperling Daniel, absent représenté par Laure Agnès Karadec, Tani Didier, absent représenté par Caroline Giomme, Villeneuve Michel, absent représenté par Sylvie Herman, Réo Didier, Rosato Blaise, absent représenté par Marie Martineau, Saint-Paul Jane, absente représentée par Richard Findikian, Sif Aïcha, que je vois présente, Télandier Catherine, et Tessier Guy, absent représenté par Pierre Robin. Pour les
Bonjour tout le monde. Bonjour toutes et tous. Monsieur le maire, je souhaiterais que vous nous disiez, mais vraiment de manière précise et claire, à quel moment nous avons le droit de prendre la parole. Est-ce que... Non, vous m'aviez dit la dernière fois, jamais après vous. Donc cela veut dire que l'on peut prendre la parole après le rapporteur. On est d'accord de cela, monsieur le maire ? Tout dépend du débat, mais vous demandez la parole après le rapporteur, puisque le rapporteur, évidemment, est là pour défendre le rapport. Vous demandez la parole, je vous la donne. Il y a un échange en fonction du sujet et je clôt le débat comme cela se fait dans n'importe quelle assemblée. Je vous remercie, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers amis. Le rapport concerne l'attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur du bel âge, première répartition 2021. Ces associations sont l'Association d'aide aux aidants naturels des personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie. Cette association est située sur l'hôpital de Sainte-Marguerite et le montant est de 1 500 euros. La seconde association, c'est l'association L'Apostrophe qui est située sur Saint-Loup et le montant demandé est de 1 000 euros, soit au total 2 500 euros. Je vous demande d'émettre un avis favorable pour ces deux associations. Je vous remercie. Merci, madame. Toutes les maisons de quartier, le Florida aussi. Le Florida en ce moment est en travaux. Ben, donc, voilà, voilà, simplement préciser. Alors j'y suis passée, c'est pour ça, donc j'étais surprise. Les maisons de quartier, à l'exception de celles qui sont actuellement en travaux, ce qui me semble être assez naturel et logique, mais c'est pour justement mieux accueillir celles et ceux qui seront amenés à les fréquenter. Donc, les oppositions. À des organismes dont l'activité présente un intérêt général. Et donc, c'est Mme Marie Martineau qui rapporte.
Mes chers collègues, mesdames et messieurs, monsieur le maire, donc ce rapport concerne donc l'attribution de subventions en nature pour des organismes d'intérêt local et notamment pour la création d'hébergements en urgence pour des personnes en très grande précarité. Et ces locaux sont des locaux communaux, donc il faut bien le spécifier. Dans notre secteur, il s'agit de l'association Sarah Logisol qui va donc participer à ces créations donc d'hébergements. Ils sont situés au boulevard Saint-Jean, dans le 10e, et le montant de la subvention en nature est de 71 819,73 euros, et ceci pour une période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021. Je vous remercie de bien vouloir adopter ce rapport. Monsieur le maire, mes chers collègues, je voulais juste apporter quelques précisions sur ce rapport dont on est très fiers, qui a été engagé par Audrey Garineau, l'adjointe à la solidarité. Et pour vous dire que donc, il y a 13 familles aujourd'hui sur notre secteur qui ont été mises à l'abri, ce qui représente 40 personnes. Tous les enfants peuvent enfin être scolarisés. Et on est très heureux de pouvoir mettre en place les mises à l'abri inconditionnelles pour ces familles, pour leur donner un peu de répit et pour qu'elles puissent être prises en charge par des travailleurs sociaux. Merci beaucoup. Très bien, merci Madame Guérard. Il faut indiquer et préciser. Je peux recommencer. Hein. Donc, cette convention, cette délibération concerne donc une convention entre l'association Améum et la ville de Marseille pour l'événement des arts éphémères qui se dérouleront du 27 mai au 13 juin dans nos jardins et sur le parvis de Maison Blanche. Bon, monsieur le maire, c'est une manifestation auquel vous tenez tout particulièrement et vous nous avez largement soutenus, en tout cas dans ce projet. Vous dire que cette année, à tous, nous aurons la chance, dans le cadre des mesures sanitaires, bien évidemment, d'accueillir plus de 1 000 scolaires, de 1 000 écoliers. Et je pense que ça, c'est vraiment une grande chance parce que ça rentre dans une politique culturelle que vous avez voulu, monsieur le maire, dynamique et forte, tournée vers la jeunesse. Et donc, au-delà de la monstration, il y a aussi ce travail de formation et d'éducation auquel vous tenez et que je défends aussi largement. Cette politique culturelle, nous la menons ensemble depuis de longues années. Nous ne sommes pas restés pendant le confinement dans un fauteuil à ne rien faire. Nous avons donc préparé toute une suite d'événements. D'ailleurs, nous commençons par l'événement
Bureau Police, qui est juste à côté, nous participons avec des ateliers d'artistes, nous participons avec un espace jeunesse. Nous avons le théâtre de Sainte-Marguerite qui va réouvrir enfin ses portes à partir du 29 mai. Et ça, on ne peut que s'en réjouir parce que les gens attendent et c'est un lieu remarquable. Et je ne pourrais pas faire toute la liste. Après, il y a Cirque en Herbe, ensuite il y a l'été, durant tout le mois de juillet, le mois d'août. Enfin, en tout cas, ici, on essaye vraiment de mener une politique culturelle forte et je pense qu'au fil des ans, vous avez remarquablement bien réussi, monsieur le maire. Merci et je vous demande donc de valider cette délibération. Était-ce vraiment nécessaire ? Merci beaucoup. Mes chers collègues, je ne voudrais pas passer sous silence le véritable partenariat qui semble ne pas apparaître aujourd'hui en cette mairie de Maison-Blanche. Le portage de cette délibération par notre collègue en mairie centrale, Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture, le financement à hauteur de 50 000 euros de cette opération, et l'inscription de cette manifestation, de cet événement, dans la politique globale des manifestations d'intérêt culturel, ouvert à tous, généreux, en phase avec les attentes de notre population. Voilà, enfin, il me semble qu'il y a dans votre présentation, Madame Essendorf, un grand oubli. Et j'ajoute à ça, et c'est vraiment regrettable, l'invitation à ces jardins éphémères, à cet art éphémère, à cette grande manifestation qui oublie de mentionner l'adjoint à la culture, Jean-Marc Coppola. Donc voilà, s'il vous plaît, rendons à César ce qui lui appartient un petit peu quand même. Eh bien, que puis-je dire ? D'abord, c'est vrai, M. Coppola est là depuis un an. Pas tout à fait, mais presque. Bien sûr qu'il finance les arts éphémères, et je l'en ai largement remercié. La ville de Marseille finance les arts éphémères depuis maintenant 13 ans. Et je pense que... Et j'en suis ravie qu'il continue à porter ce projet. Mais le département participe aussi à la même hauteur. Et je pense que c'est un travail commun. Et bien sûr que nous serons là. On l'accueillera sur le carton d'invitation. C'est un carton de mairie de secteur. Il n'y a pas de prise de parole ce jour-là. Tout le monde est invité. Il a même reçu mon appel personnel, donc je pense que je n'ai pas manqué d'élégance. Culturelle actuelle et donc des initiatives portées par la ville.
une politique culturelle basée sur l'art contemporain, où nous associons tous les publics, parce que ce que je souhaite, c'est une politique culturelle ouverte à tous, pour tous et par tous. Et donc, c'est la raison pour laquelle, Anne-Marie Descendeurs l'a dit très justement, je souhaite qu'il y ait de la médiation culturelle auprès des jeunes publics de nos écoles de quartier, animée et portée par des étudiants de l'école des Beaux-Arts, et donc c'est une véritable synergie qui se crée au moment de la création du Festival des Arts Éphémères. Et donc, avoir la chance de disposer d'un cadre comme celui du parc de Maison-Blanche pour faire en sorte que, quelque part, la culture et la nature se retrouvent et que nous puissions faire bénéficier, en plus dans le contexte de reprise à la vie que nous connaissons, l'ensemble des habitants des 9e et 10e arrondissements, je pense que nous devrions tous en réjouir. Et le fait de voir que la ville de Marseille, aux côtés du département, aux côtés de la mairie d'arrondissement, aux côtés de l'école des Beaux-Arts, bref, s'investissent pour faire en sorte que cet événement soit une réussite, je pense que nous devrions tous nous en réjouir plutôt que d'essayer de laisser croire un certain nombre de choses. Dans cette mairie d'arrondissement, nous avons le festival de photographie que nous avons initié avec Anne-Marie Descendeurs il y a déjà plusieurs années et qui aujourd'hui est le point d'appui au festival de photographie de Marseille. Dans cette mairie, nous avons également une programmation culturelle avec le théâtre de Sainte-Marguerite, qui n'est sans doute pas un théâtre national, c'est une évidence, mais qui a une véritable programmation culturelle qui plaît, une programmation culturelle théâtrale qui répond au plus grand nombre et qui aujourd'hui fait du festival du théâtre de Sainte-Marguerite un lieu incontournable pour nos arrondissements. Le fait que nous soyons partenaires du projet Bureaupolis, puisque bientôt on va nous expliquer que Bureaupolis, ça c'est vous. Enfin, Bureaupolis, moi ils étaient venus me voir bien avant les élections municipales, cher monsieur. Voilà. Et que nous avions les uns et les autres décidé, mairie d'arrondissement, d'être présents en prenant un plateau à Bureaupolis pour d'une part, deux plateaux, pour permettre d'une part aux étudiants de l'école des Beaux-Arts d'avoir des ateliers et d'autre part de pouvoir en rez-de-chaussée faire de la lecture publique en pied d'immeuble. Donc, je trouve que là aussi, ça incarne bien notre politique et ça montre que nous sommes volontaristes sur la question et que nous souhaitons une culture qui soit dans l'espace public et qui soit donc du coup partagée et comprise de tous. Et quand, notamment aussi, Madame de Sernor a oublié de le dire, mais quand nous réalisons le boulevard Urbain Sud et que nous demandons d'inscrire le boulevard Urbain Sud donc dans le 20% culturel et que de ce fait, nous avons des œuvres d'art que nous allons pouvoir acheter et que nous allons donc pouvoir mettre sur le trajet du boulevard Urbain Sud, comme nous avons déjà commencé à le faire avec une œuvre qui avait été exposée aux arts éphémères l'année dernière et qui est sur le jardin, le rond-point à Dalles. Eh bien, il me semble que nous contribuons à une politique culturelle ambitieuse pour ces quartiers. Enfin, je vous reconnaîtrai la possibilité et le droit de vous donner quelques conseils en la matière le jour où nous connaîtrons également la politique culturelle de la ville de Marseille. Quand vous serez en mesure de vous proposer autre chose que la simple reprise que ce que nous faisons déjà depuis et que nous avions fait depuis de nombreuses années, car pour l'instant, ce que je vois, je m'en félicite d'ailleurs, mais ce que je vois, c'est que vous vous contentez de reprendre ce que nous avions initié, ce qui prouve finalement que notre politique culturelle, que d'aucuns en certains temps ont beaucoup décrié, n'était pas si mauvaise et elle était là, d'autant moins que c'était Madame Descendeurs qui l'a porté. Et je crois que s'il y a bien une personne qui est reconnue dans son domaine de compétences, notamment au sein de la culture, c'est bien Madame Descendeurs. Merci à tous. Donc je soumets au vote, y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport 28, c'est Madame Kardec qui rapporte ça concerne les revenants de façade. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Nous nous abstiendrons sur cette délibération car elle limite le champ des possibilités en matière de ravalement de façade par rapport à l'ancienne version. Voilà. Qu'est-ce que vous... C'est bon ? Merci, pour moi c'est rapide. Y a-t-il des prises de...
Oui, mes chers collègues, effectivement, nous ne modifions pas sur le fond le dispositif, mais nous annonçons clairement que des axes qui ne sont pas encore ouverts à injonction de ravalement de façade ne le seront pas pour le moment. Donc, effectivement, la Plaine, le Cama, une partie de Notre-Dame-du-Mont et de l'Audi. Pour rappel, quand même, qu'est-ce que c'est des injonctions ? Des injonctions, ça veut dire qu'on fait obligation aux propriétaires de faire des ravalements de façade à leurs frais, bien que subventionnés. Donc, si nous faisons ça, c'est parce que, d'une part, il y a énormément de demandes sur les ravalements dans les campagnes en cours. On peut se poser la question du surcalibrage de départ et qui entraîne des dépenses très importantes qui vont au-delà des éléments financiers qui étaient discutés, puisque nous avons déjà dû cette année augmenter les autorisations de programme de plusieurs millions d'euros et qui potentiellement ne seront pas suffisants. D'autre part, ces injonctions, elles sont malheureusement très malvenues actuellement pour les personnes parce qu'avec la crise sanitaire, nous vivons une crise économique évidente qui touche beaucoup nos administrés. Donc les injonctions déjà en cours ne peuvent pas être stoppées, effectivement, parce qu'il y a déjà une partie des administrés qui a répondu à cette obligation et que cela romprait le principe d'égalité. Mais en revanche, nous ajoutons quand même un délai de 2 mois au délai établi. Et il nous semble donc très malvenu aujourd'hui d'ouvrir de nouveaux axes d'injonction, sachant qu'effectivement que cette situation économique fragile de nombreux de Marseillaises et de Marseillais. Oui, en fait, j'attendais que vous développiez pour développer moi-même. Le CAMA, toutes les rues adjacentes à la Plaine, nous souhaitons que les injonctions se fassent et que la politique, en tout cas volontariste, de ravalement de façade se fasse. Dans la mesure où la collectivité a déjà engagé énormément d'argent sur la rénovation de la Plaine, qu'aujourd'hui on est en passe de livrer totalement les espaces pour le plus grand bonheur des riverains. Il n'y a qu'à voir les photos des usagers dès qu'il fait beau le week-end. L'espace est noir de monde, est très apprécié, très qualitatif. Les jeux, on attend que les jeux soient eux aussi livrés pour le plus grand bonheur des enfants. Et accompagner ces aménagements d'espace public par un ravalement de façade paraît logique. Je rappelle quand même que c'est très largement subventionné, mais très largement, notamment par le département, dans certains cas à hauteur de 80%. Donc il reste à charge pour les habitants 20%. Donc je pense que cette politique volontariste qui rend quand même une qualité de vie aux Marseillais, aux passants, aux touristes, est indispensable et qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui pour freiner cette dynamique-là qui, on le voit bien, dans certaines rues complètement ravalées, et je prends par exemple le cours Liotto, l'espace a été requalifié avec des plantations, avec des pistes cyclables, avec des aires de livraison aménagées. Et ces bâtiments qui sont majestueux ont été complètement rénovés et la façade complètement restaurée. Et on voit bien que le cours Liotto reprend une dimension qui est un des plus beaux cours à Marseille. Donc cette politique volontariste est accompagnée par la présidente du département. Et je pense qu'il faut continuer à avoir cette politique pour accompagner les aménagements de qualité de l'espace public. Voilà, merci. C'est le meilleur moyen d'accélérer et de faciliter la paupérisation des hypersensibles, d'autant plus que les ravalements de façade
ne sont pas que des rappels en façade. Les injonctions concernent aussi quand les techniciens viennent constater les choses. Ils se préoccupent également des parties communes des immeubles. Voilà. Et lorsqu'il y a, par exemple, des travaux à faire sur les parties communes, eh bien, l'aide du département, notamment, et de la ville, puisqu'il y a une combinaison des deux aides, l'aide du département et de la ville, eh bien, est assujettie au fait que la copropriété vote des travaux de réfection donc, des parties communes. Donc, on est sur une approche véritablement globale. Après, on a bien compris, et merci de le dire, de l'affirmer, de quelque part de l'assumer, que vous ne souhaitez pas le ravalement de la façade du quartier de la Plaine, pour faire simple. Hein, voilà. C'est une réalité, bon, je le savais puisque Mme Prigent avait eu la délicatesse de m'en informer en ma qualité de président de la SOLEAM. Bon, ça signifie aussi, hein, quand même, sachez-le, qu'il y a une équipe de 10 personnes qui travaillent sur les ravalements de façade à la SOLEAM et qu'en baissant le plan de charge sur ces questions-là, ça signifie qu'il y aura des conséquences sociales. Voilà, des conséquences sociales. Quand on est défenseur comme vous, semblez l'être, vous dites l'être, donc justement des enjeux sociaux, eh bien, je suis très surpris que cela vous ait échappé. Après, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, dans des cas qui nous ont été indiqués, très peu nombreux demeurant, mais c'est une réalité, ça existe, il peut y avoir effectivement des propriétaires qui, face à l'injonction, n'aient pas nécessairement les moyens, au moment où l'injonction est adressée, de pouvoir financer ces travaux. Et que certains propriétaires doivent consentir des prêts pour financer même la part résiduelle, qui quelquefois reste un montant qui, pour certains d'entre eux, est relativement élevé. Mais on parle de dizaines de personnes, on ne parle pas des centaines et des milliers de personnes qui sont concernées par le dispositif. Voilà. Après, je n'ai pas très bien compris pourquoi nous étions destinataires de ce rapport, parce que ça concerne la Plaine, et que, à ma connaissance, sauf à ce qu'on ait mélangé, qu'on ait fait un raccourci avec les autres fonctions, ce qui d'ailleurs m'entraînera à ne pas voter le rapport, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, nous sommes quand même très éloignés de la Plaine et de ses enjeux, et Dieu sait si en la matière, il y en a. Monsieur Manchon, vous avez demandé la parole. Monsieur le maire, comme vous indiquez à l'instant que vous n'avez pas très bien compris pourquoi nous étions destinataires de ce RCM, en fait, c'est tout simplement parce que si nous ne mettons pas d'injonction temporairement aux copropriétaires en raison de la crise sanitaire et de la crise économique, c'est-à-dire que c'est juste un tout petit peu retardé, ça va concerner, ça devait concerner la tranche suivante qui touchait à notre cinquième secteur. Voilà, donc sur le cinquième secteur, nous aurons un temps de répit. Je profite, alors, non, là je n'ai pas le détail, mais on vous les donnera très, très rapidement, mais... Si, ça, je vous l'assure. Je vous l'assure, mais bon, mon intention était de vous renseigner, tout comme je peux vous dire qu'une injonction de façade, une injonction de ravalement de façade, je vous le donnerai, monsieur le maire. Je viens de vous dire la vérité, monsieur le maire. Donc, si vous voulez le quartier là maintenant, comme ça, je ne vais pas le sortir de ma poche, mais vous aurez la réponse. Vous pouviez aussi la poser en commission ce matin. Oui, je sais, à chaque fois, c'est votre rhétorique, à chaque fois, nous ne connaissons pas les dossiers. Alors, je vais vous indiquer autre chose. Une injonction de ravalement de façade, monsieur le maire, n'a rien à voir avec la rénovation des parties communes. Une injonction qui est faite à un copropriétaire, c'est bien entendu pour lui l'obligation de réaliser le ravalement de façade, et les parties communes peuvent être subventionnées au titre d'une ANAH, par exemple, mais entre l'injonction et l'ANAH, qui peut être une démarche volontaire, il y a une grande différence.
Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers collègues, donc ce rapport émane bien de la direction des sports. Je vais en profiter pour parler un peu de sport, puisque le 19 mai, c'était la réouverture des terrasses, la réouverture des maisons de quartier, comme l'a souligné notre première adjointe tout à l'heure, mais également la réouverture des gymnases pour le public mineur. Une pensée particulière pour tous les responsables associatifs avec qui, à la mairie des 9e et 10e arrondissements, nous nous sommes efforcés de travailler en étroite collaboration pour trouver des solutions à chaque annonce du gouvernement, à chaque changement au niveau de la crise sanitaire, que ce soit au niveau du couvre-feu, que ce soit au niveau de la fermeture des espaces clos. Nous avons dû faire et refaire à chaque fois les plannings pour trouver les meilleures solutions pour continuer à proposer une offre, à ouvrir très largement nos plateaux sportifs, à favoriser la pratique du sport en plein air. Et en ce qui concerne la pratique du sport en plein air, j'en profite pour féliciter Monsieur le maire pour son projet et sa volonté de créer un terrain de beach soccer à côté du gymnase de Sautel. À savoir que les dimensions d'un terrain de beach soccer permettent également la pratique du beach rugby et du beach volley. Donc aussi bien les écoles que les associations pourront en profiter. Donc merci pour eux et merci pour la deuxième ville de France qui va être enfin dotée d'un terrain de beach. Concernant ce rapport, on parle plus précisément de la piscine de Lumigny. D'ailleurs, il serait bien de savoir de manière un peu plus claire comment se positionne la majorité municipale concernant son soutien financier ou non au projet de réhabilitation et de réouverture de cette piscine. Mais en attendant, le sujet, c'est le tournage d'une série qui sera en streaming sur Netflix, un tournage qui durera 6 jours. L'idée, c'est de valider donc un paiement pour les 3 derniers jours de tournage et d'obtenir une gratuité, un avantage en nature sur les 3 premiers jours qui serviront donc à la société Empreinte Digitale de prendre à leur charge la sécurisation, déblaiement et nettoyage du site. Ça me paraît un deal tout à fait convenable et je vous demanderai donc de bien vouloir approuver ce rapport. Merci. Mes chers collègues, j'ai cru un instant que M. Giovanni s'était trompé de rapport. Heureusement, à la fin, nous avons parlé de la piscine de Lumigny. Puisque vous me demandez quel sera le devenir de cette piscine, je tiens à vous rappeler qu'elle est fermée temporairement depuis janvier 2009. Que durant tout ce temps, temporairement, c'était vous qui étiez aux manettes. Donc cette question, vous devez vous la poser. Qu'avez-vous fait durant tout ce temps? Ensuite, durant la campagne municipale, sur vos professions de foi et les divers tracts et prospectus qui ont été distribués, vous indiquiez, Monsieur Royer-Perrot, qu'elles seraient financées par le département. Alors vous qui émettant nous rappeler ce que le département finance, je vous retourne la question. Est-ce que le département, oui ou non, comme vous l'aviez promis, va financer la piscine de Lumigny? Donc, j'ai
plutôt bien joué. Mais alors, du coup, vous n'avez pas répondu à la question. Et la question que posait M. Di Giovanni, c'est quelle est la position de la ville de Marseille nouvellement élue depuis un an, quand même. Un an, hein. Un an. Donc, quelle est la position de la ville de Marseille pour la piscine de Ligny? Aujourd'hui, vous êtes en responsabilité. Vous avez très largement fait campagne là-dessus, mais alors très largement. Vous avez indiqué que nous, élus, nous ferions de la piscine de Ligny un axe fort de notre politique sportive. Un axe fort. Bon, en réalité, chers collègues, c'est quand j'entends la Ligue Sport, le maire de Marseille, éventuellement. Bon, on est plutôt sur la volonté de créer une piscine dans les quartiers nord, et je ne dis combien pas de la nécessité d'une piscine dans les quartiers nord, et contrairement à vous, je n'oppose pas le nord au sud. Je pense que nous devons travailler de façon équilibrée sur les deux extrémités de la ville. Et donc, oui, il faut une piscine dans les quartiers nord, et oui, il faut une piscine dans les quartiers sud. Et d'ailleurs, j'avais dit aux uns et aux autres que j'étais prêt également, au même titre que j'ai obtenu les engagements du président de la région, vous avez oublié de citer, ainsi que du président, de la présidente du département, de cofinancer le projet. J'avais même dit, puisque nous en sommes à nous dire nos vérités, que après avoir imaginé un projet de piscine dans une forme de partenariat public-privé, ce qui, je sais pour vous, est quelque chose de très compliqué, mais finalement, avec les marchés globaux adaptés, vous commencez à vous y habituer aussi. Et donc, j'avais dit que, compte tenu du fait que sur une approche partenariat public-privé, les choses semblaient s'enliser, puisque vous le savez, la problématique de la piscine de Ligny, c'est que son destin était lié à la piscine d'Euroméditerranée. À partir du moment où la piscine d'Euroméditerranée a commencé à rencontrer des vicissitudes, notre projet a privé. Donc moi, c'est très simple. Quand je vois qu'une procédure initiée ne trouve pas écho, je change mon fusil d'épaule. Et donc, à partir du moment où et le département et la région étaient capables de nous cofinancer de manière substantielle la piscine, je suis tout à fait d'accord pour que nous la réalisions dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage publique. Je n'ai pas d'état d'âme sur la question. Donc, on était tous d'accord, d'ailleurs, je crois, pendant la campagne électorale, pour que ce soit sous une maîtrise d'ouvrage publique. Donc, aujourd'hui, vous êtes en responsabilité. Il y a un an qui est passé. Donc, on peut imaginer que vous ayez affiné votre réflexion sur ce que pourrait être cet équipement sportif. On pourrait imaginer que vous ayez affiné votre réflexion sur le coût de cet équipement sportif. On pourrait même imaginer que vous ayez affiné votre réflexion pour que vous ayez déposé les demandes de subvention auprès des collectivités afférentes. Ce que vous n'avez évidemment pas fait. Voilà. Et donc, aujourd'hui, moi je le redis, bon, je suis heureux qu'il y ait un tournage, ça permettra de faire connaître le site, ça permettra aussi à la ville de devenir voyageur bon monde. Mais le sujet, c'est que j'aimerais avoir une position politique sur la question. C'est ça le sujet. Ça fait un an, je me suis exprimé à de multiples reprises. Alors, je sais bien que votre tactique, c'est toujours de ramener les choses au passé. Je sais bien que votre tactique, en l'espèce, c'est de poser des questions aux questions qu'on vous pose, comme ça vous ne répondez pas à la question. C'est très classique comme mode de fonctionnement chez les hommes politiques qui ne veulent pas répondre à la question. Mais la vraie question, c'est de savoir si la piscine de Ligny reste une priorité politique de la municipalité, ce que je ne crois pas au regard de ce que j'entends et de ce que je lis. Et si oui, et dans ces cas-là, nous serions les premiers à vivre, de nous préciser un calendrier. C'est le simple sens de la question. Et au bout d'un an, on pourrait espérer avoir un début de réponse. Voilà. Ce qui ne semble pas être le cas vraiment. Voilà. Donc, le débat étant clos, donc je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant, c'est le 30, c'est le surtout.
Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit d'approuver ce rapport concernant une demande de subvention, enfin, en tout cas, un soutien à l'Association des scouts de France qui, depuis plus de 15 ans, facilite la surveillance du parc national des Calanques dans le secteur de Lumigny, notamment dans le cadre de la protection des forêts méditerranéennes contre l'incendie. C'est un programme de l'État relayé par le préfet de région. Et donc, la ville de Marseille, comme les années précédentes, s'engage à les soutenir logistiquement avec la mise à disposition d'un local et d'un terrain juste à côté de la maison de quartier de Lumigny et d'assumer une contribution financière de 5 900 euros. Et bien entendu, nous appelons à voter pour ce rapport. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport concerne la mise en place d'une mission transverse concernant l'adaptation des formulaires d'état civil aux évolutions du droit de la famille et à la diversité des familles marseillaises, ainsi que la définition de procédures communes aux officiers d'état civil de la ville de Marseille. Alors, le sujet peut paraître anodin. En effet, il s'agirait simplement d'une réactualisation et d'une harmonisation des formulaires en ligne, ainsi que d'une mise à niveau des procédures et formulaires propres à chaque mairie de secteur. J'avoue être un peu surprise, car travaillant en grande proximité avec la responsable du service état civil de Maison-Blanche, il me semble qu'ici, chaque évolution est très rapidement intégrée dans nos procédures et que cela n'appelle pas vraiment à la création d'une énième commission de travail. Cependant, on nous dit aussi dans le rapport la chose suivante. 8 ans après la loi du 17 mai 2013, ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, afin de procéder à l'application de cette loi et à la volonté de reconnaître l'ensemble des familles marseillaises dans leur diversité, mais également d'intégrer les modifications liées au nom d'usage des époux et à l'ordre d'apparition des époux dans les dossiers de mariage, il est proposé de mettre en place cette cellule transverse. Alors, je vais vous apporter quelques précisions, car avant de vouloir mettre en place une cellule transverse, il aurait peut-être fallu se renseigner et éventuellement venir à la rencontre des services état civil de chaque mairie afin de voir comment nous fonctionnons. Ici, je tiens à rappeler que l'adjointe a simplement visité le BMDP, de Maison-Blanche, mais pas les trois pôles état civil. J'étais pourtant avec elle. Alors, premièrement, nous reconnaissons déjà l'ensemble des familles marseillaises dans leur diversité, contrairement à ce que les termes du rapport semblent suggérer, et cela a été intégré dans nos divers documents de travail. Nous respectons scrupuleusement les termes de la loi. Deuxièmement, ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'il est précisé que cette cellule sera composée de représentants d'officiers d'état civil ou experts issus des mairies de secteur, du service état civil de la mairie centrale et des archives municipales. Pourquoi ne pas intégrer explicitement les élus à l'état civil ? Il me semble pourtant que nous sommes concernés et il me semble qu'il serait logique de nous inclure dans ce groupe de travail afin que nous puissions apporter notre propre éclairage sur la question. Troisièmement, je ne vous le cache pas, je m'inquiète. Car dans ce qui est moins un rapport administratif qu'un rapport politique, j'ai bien peur que ne se cachent des choses un peu moins en phase avec les termes de la loi, comme par exemple l'usage insidieux de l'écriture inclusive qui, je vous le rappelle, est rejeté par l'Académie française et que le ministre de l'Éducation a banni de l'école. Vous ne m'en voudrez pas de mentionner cela, mon interrogation est légitime, car les communications qui me parviennent de l'adjointe et du secrétariat état civil de la mairie centrale sont rédigées en écriture inclusive. Et cela n'est qu'un exemple, mais beaucoup de questions peuvent être soulevées, comme celle de la dénomination des parents sur les formulaires, qu'il ne faudra bien évidemment pas noter en tant que parent 1 et parent 2, au risque d'instaurer une hiérarchie là où il n'y en avait pas précédemment. Donc il y a beaucoup de réflexions à mener, beaucoup d'équilibre à trouver. Je trouve qu'il y a surtout beaucoup d'interrogations donc pour ce rapport concernant un groupe de travail auquel je pense qu'il serait vraiment sain de nous intégrer. Je vous remercie.
Merci, Madame Arrigny. Donc, Madame Armand. Je suis petite, hein. Ouais. Voilà. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce texte, on pourrait dire qu'enfin, il est temps. Il est temps d'appliquer les effets, j'allais dire, d'une législation et de les traduire donc sur le terrain, dans la pratique de tous les jours. Et justement, pour éviter des incompréhensions, faire travailler des gens qui ont l'habitude de fonctionner avec donc ce type de, on va dire, de documents administratifs et les mettre en forme, c'est pas à l'élu de réécrire une loi qui a été faite. À notre sens, il y a déjà la volonté de faire travailler des gens ensemble, de mettre des expertises ensemble, mais pas de refaire une loi. Mettons-la enfin en application. 8 ans, c'est long. Voilà, c'est tout. Et ce n'est pas pour autant que l'on va générer des conflits ou des incompréhensions sur le premier et le deuxième. Et justement, il faudra, dans la retranscription des documents administratifs, les disposer de manière les plus simples possible. Et on s'adresse ainsi à tout le monde. Et on est au 21e siècle. On avance, on progresse et on arrête de perdre du temps avec de l'administratif qui a du mal à se mettre à la page. Voilà, merci.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, Monsieur le maire. Il s'agit d'émettre un avis favorable à l'attribution d'une subvention pour une association envers les personnes handicapées. Il s'agit d'une association d'aide aux aidants, association d'un proche en situation de handicap, pour un montant de 5 000 euros. Ce montant sera imputé du budget primitif de 2021 qui s'élève à 82 400 euros. Merci d'émettre un avis favorable. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, il s'agit effectivement donc de la deuxième répartition pour les des subventions aux associations sportives. Sont notamment concernées sur notre secteur l'association sportive et culturelle Vivo Sauvagère, Massilia Hockey Club, Notre-Dame Football Américain et OM Athlétisme. Je vous demanderai bien évidemment de bien vouloir approuver ce rapport. Merci. Je ne doute pas que ces propositions de subvention seront adoptées. Je me permets de souligner que ces subventions-là sont aussi un effort fait par la délégation au sport. Parce que nous avions parlé tout à l'heure de la piscine de Lumini. Vous savez que les budgets ne sont pas élastiques, ils ne sont pas en caoutchouc. Vous savez aussi que Marseille fait partie de la région PACA, que Marseille fait aussi partie du département, que c'est pour ça que le regard du département et le regard de la région doivent être bienveillants sur la question de la piscine de Lumini, parce que prioritairement, notre adjoint au sport, Sébastien Gibriel, doit aussi subventionner, comme nous sommes en train de le voter ce soir, l'ensemble de ces associations sur le même budget. Et qu'il y aura inévitablement des choix à faire, des risques d'être inéquitables, et nous y veillerons. Mais imaginez un seul instant que nous engagions tout un budget sur la piscine de Lumini et qu'on ne subventionne pas ces associations, nous aurions commis une grave injustice. Par la municipalité pour le logement.
Alors, il s'agit de la délibération d'instauration du permis de démolir sur l'ensemble du territoire de la commune de Marseille. Donc, notre groupe va s'abstenir sur cette délibération-là. Je vais évidemment m'en expliquer. Aujourd'hui, alors, le législateur, en 2007, a supprimé le permis de démolir dans les communes, en dehors des espaces patrimoniaux protégés, mais je développerai tout à l'heure. Par mesure de simplification, donc les communes qui souhaitent réinstaurer le permis de démolir doivent délibérer, c'est la délibération que vous nous soumettez aujourd'hui. Très peu de communes ont pris cette délibération-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nos administrés nous demandent tous les jours de simplifier les procédures. Alors, vous avez peut-être des inquiétudes, mais moi, je vais essayer de vous rassurer parce qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Aujourd'hui, la quasi-moitié de l'ensemble de la ville de Marseille est soumis à permis de démolir. Pourquoi ? Parce que le permis de démolir est exigé dans le site remarquable protégé, donc c'est-à-dire à l'échelle des 470 hectares du centre-ville, procédure que nous avons mis en place au mandat précédent pour justement protéger ce volet patrimonial du centre-ville. Il est également exigé sur tous les bâtiments étoilés au PLUI et nous avons à peu près 1500 fiches qui recensent du patrimoine remarquable. Donc moi, si vous avez l'envie de protéger d'autres monuments ou sites remarquables qui nous auraient échappé, n'hésitez pas à nous faire des propositions. Aujourd'hui, vos propositions émanant du printemps marseillais, elles sont maigres, elles sont au nombre de deux. Bon, je rappelle que nous avons fait 1600 fiches au mandat précédent. Donc, deux demandes de la part du printemps marseillais, bien sûr, nous les intégrerons, il n'y a aucun souci. Et puis, nous avons aussi tout le patrimoine qui est inscrit ou classé et qui, là, je ne sais pas si vous le savez, mais dans un périmètre de 500 mètres autour de ces bâtiments inscrits ou classés, le permis de démolir est imposé. Donc là, avec une surveillance, bien entendu, de l'architecte des bâtiments de France. D'autant plus que, en plus, dans les procédures, lorsque on est en dehors de ces zones-là, nous avons le permis de construire qui vaut démolition. C'est-à-dire que s'il y a une volonté de projet sur un terrain qui est bâti, ben, le permis de construire précise qu'il y a démolition de toute ou partie du bâti existant. Donc aujourd'hui, rajouter une couche supplémentaire qui va venir alourdir à la fois le travail des services, hein, parce que, bon, je sais très bien qu'au service de l'urbanisme, ils ont déjà beaucoup de travail et leur imposer en plus les procédures de permis de démolir en dehors des zones qu'on peut considérer comme patrimoniales, bon, c'est un travail supplémentaire. Et en plus, on va jeter une fois de plus les Marseillais dans des arcanes administratives qui, pour eux, sont très, très compliquées, avec la constitution de dossiers, qui aujourd'hui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc aujourd'hui,
les Français, de manière générale, nous demandent une simplification et vous, vous rajoutez une couche supplémentaire. C'est la raison de notre abstention. Monsieur le maire, mes chers collègues, si vous me le permettez, je souhaiterais répondre à deux, trois petites choses qui ont été dites, parce qu'on ne parle pas après vous, mais il faut bien quand même qu'on réponde. Oui, vous laissez, mais Monsieur Payan laisse bien parler en conseil municipal. La première des choses, c'est laissez-moi parler, M. Roy, s'il vous plaît. Mais j'attends, je parlerai. Donc, juste pour la connaissance des rapports, pour le rapport 29 qui a été présenté par M. Di Giovanni, je tiens à dire que le tournage est terminé. Hein. C'est quelque chose qui est terminé depuis le 31 mars. Donc, on peut en parler au passé. Ce n'est pas quelque chose à venir. C'était écrit dans le rapport. En ce qui concerne la démocratie, je ne parlerai que de ma délégation. J'ai tenu deux commissions, la commission pour refaire les critères d'attribution de places en crèche. Tous les élus de toutes les tendances politiques de l'hémicycle ont participé à ma commission. Et la deuxième commission que je préside, c'est la commission d'enquête sur les écoles. Et là également, des membres de votre majorité, des membres de tous les partis sont invités, 5 personnes de votre parti politique. Donc nous faisons de la démocratie. Nous le faisons régulièrement et moi, je ne peux pas entendre que sur un rapport où il n'y a pas d'élu, on accuse. Mais Madame Brunat vous en a informé, puisque Madame Brunat. Donc, ce que je veux dire, c'est la démocratie, on l'a fait très bien. Tous les élus sont présents à chaque fois qu'on fait des commissions. Non, on l'a fait quand c'est nécessaire. Et sur les critères d'attribution, sur la refonte des critères d'attribution de places en crèche, j'ai tenu à ce que toutes les tendances politiques soient représentées pour que ce soit un travail de l'hémicycle et pas uniquement du printemps marseillais. Donc sur ça, la démocratie, elle est appliquée et pas que quand ça m'arrange. Voilà. Je veux juste revenir sur les 30 millions et les 20 millions, parce qu'effectivement, il faut expliquer ce qui s'est passé. Les 30 millions sur les écoles, vous aviez effectivement dit qu'on n'arriverait pas à les dépenser. On n'est pas à 16 millions, on est à peu près à 24-25 millions. J'ai vérifié avant de venir. Et nous avons donc engagé 25 millions pour mettre en sécurité les écoles de Marseille. En ce qui concerne les 20 millions pour le logement indigne, nous avions dit 10 pour les logements municipaux et 10 pour les logements privés. Effectivement, on ne les a pas engagés, mais ces crédits n'ont pas été appelés. Donc les Marseillais n'ont pas perdu d'argent, on n'a pas gaspillé d'argent. Ça, je tiens quand même à le dire tout de suite. Non. Je tiens quand même à le dire tout de suite. Mais ce qui fait, par exemple, que nous n'avons pas pu les engager tout de suite, c'est que lorsque nous sommes arrivés... Oui, mais... Lorsque nous sommes arrivés, l'état des lieux, il n'y avait pas de service lié au logement. Nous étions dans l'incapacité de savoir quel était le patrimoine municipal, parce qu'il n'y avait pas de service. Et donc, effectivement, dans l'état où nous avons récupéré ce dossier, nous avons été obligés de travailler avant d'engager de l'argent. Je vous remercie. Mais moi, je sais... Et je vous dis, et M. Royer-Perrault, puisque vous allez sur ce terrain-là, vous êtes président de la Soleam, qui est épinglé par la CRC, vous deviez faire 31 logements sur les 1500, vous avez fait 31 logements sur les 1500 qui étaient annoncés, vous présidez un organisme qui est décrié de partout. Donc très franchement, ça fait 11 mois que nous sommes aux responsabilités, on ne reçoit pas de leçons de vous. Merci. Je suis comptable de ce que je décide depuis le mois de novembre à la Soleam, madame. Effectivement.
lisez, que vous suivez mes tweets, j'en fais de moins en moins, comme ça, ça vous donne l'occasion de moins en moins vous exciter. Que vous suivez mon Facebook, que vous suivez mon actualité presse, bon, vous avez dû voir que j'ai fait une conférence de presse, madame, voilà, et que j'ai annoncé un certain nombre de choses qui seront de nature, me semble-t-il, à remettre de l'ordre dans cette maison. Cela étant, je le confirme, sur 20 millions d'euros annoncés comme étant un engagement fort, un signal politique fort pour le logement. 0 euro de dépensé. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est la vérité des chiffres. C'est pas la vérité politique. Je sais qu'elle vous dérange, elle est cruelle, mais en tous les cas, c'est la réalité. Voilà, écoutez, mes chers collègues, donc je soumets au vote de la majorité des oppositions. Il y avait deux mains levées. Ah ben non, mais madame, c'est madame Guérard qui a demandé la parole sur ce rapport et elle l'a eu. Il faut savoir vous organiser. Non, non,